Très chers compatriotes congolais, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, et encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, qui vient une fois de plus avec pour un nouveau numéro de la politique, qui va s'intituler comme suit: la Kabylie civilisée par le président Félix Tshisekedi et en même temps piégée et détruite par le président Félix Tshisekedi. Donc vous avez suivi les récents événements autour du palais du peuple, le sit-in du FCC avec le kabyliste Tchadari. Donc, le titre d'aujourd'hui, la Kabylie civilisée, donc elle devient civilisée, et puis en même temps, par le président Félix Tshisekedi, en même temps, détruite par le président Félix Tshisekedi. Comme d'habitude, très chers frères, soutenez-nous à travers la participation, votre participation dans nos émissions, en s'abonnant, en aimant la vidéo et puis en partageant la vidéo. Et surtout, intéressez vos frères et sœurs, vos amis, vos proches, pour qu'ils puissent s'abonner sur notre chaîne YouTube. Ça va nous faciliter la tâche. Et puis, il y aura quelques divers, on va parler des éléments des informations. Évidemment, vous suivrez nos émissions sur YouTube et aussi à la radio UDPS Monde, tenue de main de maître par Papi Bisikita et Pascal Icoli. Mais avant de commencer notre programme, laissez-moi essayer de conseiller nos très chers frères et sœurs. Je dis ceci, Bandirulangai, surtout ceux-là qui sont à la diaspora, je vous conseillerais surtout d'éduquer nos enfants, de parler à nos enfants de nos origines. Disons à nos enfants leurs origines, leur pays, leur province et surtout leur tribu et leur langue maternelle. Surtout quand ils sont trop petits et enfants. N'attendez pas quand ils seront des adolescents ou des adultes, car à ce moment-là, la culture du pays d'accueil, l'Europe, les États-Unis d'Amérique, va les envahir. Donc, ça sera trop tard. Et en plus de cela, il faut aussi organiser des voyages en RDC quand il y aura des moyens, afin qu'ils se rendent compte de la situation dramatique de nos pays africains. C'est la raison pour laquelle nous demandons aussi, nous exigeons au président Félix Tshisekedi de créer la nouvelle compagnie d'aviation avec des avions neufs, pimpants neufs, et qui doit desservir des lignes internationales comme les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, l'Angleterre, voilà, à un prix abordable. Ça va nous permettre d'amener nos enfants chez nous, au pays. C'est très important. Voilà. Et donc, c'est ça le conseil que je donnerai aujourd'hui. Donc, je fais allusion à Maman Sarah Kabbalah, la femme à la Jeep, et mon frère Louis Malazao. Bote yabana, baye bambo kanabiso. Bo, baza ba anglais, ba british te, baza ba noir, ba africain. Fote yabango kanabiso. Donc, Deborah, Wiva, Wivine, boye bambo kanabiso. C'est la même chose là, Maman Jette, na Théo, na Papa Théo Kassonga. Bote à Josephat, Mbokanabiso, oh, à la France, à la Français, t'es, à la Congolais, à la Congolais. Voilà. C'est la même chose dans Maman Clémence Mbombo, en Allemagne, faut côté à Naomi, na Nathan, Bayeba, Mbokanabango. Maman Jeannette Moukoko, na Gabon, Margot, Doudou, Gracia, Bote à Bana, Bayeba, Mbokanabango, Skabaouti. Voilà. Nan de Goulanga, Pédon de Foula, Te à Bana, Baye ba mboka esika bana ba uti bana baza ba banglais te bana baza ba africain ba noir faut ko te ya bango bana ba yoka liloba baye ba origine na bango na munoko ya tata na bango to ya mama na bango ba ko respecter yango. C'est très très important ko zilate bana ba kola. Voilà. Alors toke mbala moko na dossier o ya ebanaki ko o eleka ki dernièrement ya ce voyou de Perol Ouawa, qui a tenu des propos discourtois, des propos injurieux, des propos dégradants contre le président Félix Tshisekedi. Boulanda qui ont l'habilité, rien n'a sert de le rappeler. C'est la raison pour laquelle nous exigeons à notre frère Emmanuel Tshibambe, Smalto, de se désolidariser de ce voyou, de ce journaleux, il y a Perol Ouawa. Emmanuel Tshibambe, il y a UDPS, communicateur, il y a UDPS, au secrétaire général Nabiso Augustin Kabuya a PC autorité,
longo qu'on a sous camarade il y a voyou oyo il y a perro loi waté d'ailleurs on nous apprend qu'il est part, il est porté disparu akimi azo ko mona naté mais toujours voyez il paraît-il toi que à son États-Unis d'Amérique il paraît-il mais ezaka la musala sali buzoba ongando sali puisque même aux États-Unis d'Amérique buzoba ngando sali ezanini amoni mbula akimi na ebale yakimi akimi fachi afingi fe disegedi akimi la justice akimi la justice ya quand ça qui a pomba Katoumi a zo protégé, Kabila a zo protégé. Mais Akimi pourquoi? Alors, maïe barake, oh ya sali wana sali l'orote. Puisque même aux États-Unis d'Amérique, même en France, même dans l'Angleterre, etc., probablement par azo ya, a ko koute anaba combattant à UDPS. A ko koute anaba. Mais nde wolara moro bo, apesinga toli, na te yaba congolais, nde wolara innocent, d'Angleterre. Alors, biboy, il faut impérativement agir contre Perro le Wao. Pourquoi? Puisque ils allaient tester. Ils allaient tester au ba kabiliste bazali komeka. Ba katumisa bazali komeka. Si on réagit pas avec fermeté, avec rigueur, ba romatisa degré. Alors on doit réagir. Ndeko beninga mato ya lobi, omoni afingi président Félix Tshisekedi, alobi ba bloke bele bele, soki la justice réagir té, population réagir té, ba okende plus loin. Ils peuvent même aller jusqu'à assassiner le président Félix Tshisekedi. Bah, il dit que peuple a réagi. Alors, ça, il a roté. Après des jours, il est qui n'a rien. Il faut qu'on réagisse avec fermeté, avec rigueur contre ce voyou pour pas comprendre que non, le président Félix Tshisekedi n'est pas seul. Bah, il y a un mot. Tu vois, qui est en États-Unis, mais c'est son problème. Aïe, bah, il y a un membre de PES, bah, Zali Pekuna, bah, Kozelaye, Pe, bah, Kozoye. Alors, Mbangu Mbangu, dossier d'abus à l'élo, oh, il faut tout lober là. C'est la Kabylie civilisée. Tout le monde est Kabylie, le FCC, les Kabylistes deviennent civilisés. Bah, comme ça, là-bas, marche. Bah, comme ça, là-bas, sit-in. En fait, c'est le président Félix Tshisekedi qui les rend à son peu, ça va en civilisation. Et en même temps, le même président Félix Tshisekedi a piégé Bango. A piégé Bango et puis a détruit Bango. Donc, on démontrait bien les lots. Alors, mais avant, qu'est-ce que sont les faits? Ma fait Zanine, pourquoi Nazo Kende, qu'on met à l'isolo en haut les lots? Alors, vous remarquez que ma fait Zanine, que tu remarques qui dans les réseaux sociaux, beaucoup dans les YouTube, au monde en haut, Emmanuel Chadari, le kabiliste Emmanuel Chadari, ma salagi sitine, ma zo réclamé consensus autour des élections de 2023. Voilà, ma salagi sitine, mais la sitine en haut, nous avons remarqué quoi? Ce qui a tiqué les gens, observation, on a remarqué qu'il y avait, moins de 30 personnes dans marche Nabango, à Kinshasa, dans une capitale de 15 millions d'habitants. Dans le FCC, il y a Kabila, la Mouka, il y a tribaliste Martin Fayulu, notre tribaliste Mouzitu, le voleur Mouzitu, ils ont pu mobiliser ce jour-là que environ une trentaine de personnes dans une capitale de 15 millions d'habitants. Donc ça, c'était un échec puissant. Donc ils ont l'accès que non, la Mouka, la FCC sont en perte de vitesse totale. Et Panzani, il y a un peu de ce la du solo. Mais pour saisir... Pour mieux comprendre, pour bien saisir la conjoncture politique actuelle, il faut comprendre le contexte politique du moment. Donc, pour y aller, bah, Makambo, ils ont l'écho comprendre bien. Il faut comprendre le contexte ni tout ça dans l'eau. Nous ne sommes pas encore dans un état de droit, l'explique Rabino chaque fois. Nous sommes dans une révolution pacifique menée et tenue de main de maître par le président Félix Tshisekedi. Avec l'UDPS. Ceux qui, au long, au comprendre, et en mode, ils ont quand tu as l'état des droits, tu as la carte de la démocratie, au comprendre, ma cambo, Félix Tshisekedi, à ce que ça la tient. J'ai envie d'expliquer, Bino, que non, tu as la carte de la révolution pacifique. Ce qu'on comprend, et en gros, c'est comme cela que vous allez, que vous comprendrez les actes que pose le président Félix Tshisekedi, qui a pour mission de libérer la République démocratique du Congo, RDC. Alors,
Comment allez-vous, vous en état de droit, comment allez-vous penser que vous êtes en état de droit au moment où nos institutions sont infiltrées par les étrangers, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, l'armée, la police, le Parlement, l'Assemblée nationale, le gouvernement, les alliés infiltrés par les étrangers. Ce qu'on a dit, on a bien arrêté le droit. Il faut nous extirper, qu'on a mis ça mouvement à bé ou à la nyonso. Il y a un Rwandais, tout ça, il y a un processus, ou à la transition, on a une révolution pacifique. Évidemment, ma révolution, ça a deux sortes. Révolution sanguinaire, où il y a un Rabatou, où il y a très brutal, et la révolution pacifique. Donc, c'est la révolution pacifique, pourquoi? Puisque aspiration la mission est allée dans un état de droit. C'est la raison pour laquelle tu as dit qu'on utilisait les mêmes stratégies au état de droit et au Sénat. La loi, la constitution, évidemment, au union ces alliés en faveur, il y a un objectif Nabisso. Alors, je vous ai dit tantôt, comment je dirais, dans le titre, que la Kabylie, civilisé par le président Félix Tshisekedi. Alors, comment Félix Tshisekedi a civilisé Baron? C'est comme le président Félix Tshisekedi a civilisé la ANR. Vous voyez, ANR, il y a série à Kalev, Ndenge Zalaki, bah immoraux, bah criminels. Les lots est commis civilisés. Comment et pourquoi les kabylistes qui sont habitués à des méthodes de corruption, de brutalité, de criminalité, pour atteindre leurs objectifs, ont brutalement changé leur approche d'action sur le terrain. Ma kabyliste, auto, et bah, ma messana, rara, qu'on corrompre, bah, qu'on tue le poison, qu'on boma, qu'on bête à fimbo, qu'on carabatou. Les loyaux, bah, changer. Qu'est-ce qui a fait qu'elle va changer? Qu'est-ce qui a fait qu'elle va changer? Ces gens étaient des primitifs, les kabylistes étaient des primitifs. Étaient des barbares, des tueurs, des empoisonneurs, des corrupteurs. Évidemment, c'est le président Félix Tshisekedi, en créant le contexte politique actuel, qui les a contraints dans l'humanisme et dans le réalisme politique. Félix Tshisekedi n'a pas tiré le système. Maintenant, ils font des marches, ils font des sit-ins. Mais leur sit-in, au bazar, au sale, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple. Bon, moi, j'ai dit Chadar, j'ai dit Sitine. Mais, et qu'il y a, il y a qui pour l'intérêt du peuple, t'es. Bah, tout ça, la Sitine, pour l'intérêt, il y a Kabila. Le Rwandais, l'ivrogne Kabila. Le dictateur Kabila, un étranger. Bah, tout ça, la Sitine, pour étrangers, ils ont un pouvoir. Évidemment, le peuple les connaît. Le peuple congolais connaît les kabylistes. Et le peuple a refusé d'adhérer. Le peuple a catégoriquement refusé d'adhérer. Vous avez vu environ une trentaine de personnes dans sit-in. Bon, quand on a YouTube, bon, on a un ça sert à rien avec sa bilan la vidéo. Et on a un time, tampamba, inutilement. Donc, bah, ça a environ une trentaine de personnes. Alors, il y a un moment, si on a besoin de ce pays, d'avoir Congolais, ma touille. Quand on va voir la city de Nabangouana, qu'est-ce qu'ils veulent? Quel objectif Nabangouana? Objectif Nabangouana, que moi, Namboka, un Congolais de père et de mère, Félix Tshisekedi à Longwa, à la sous-présidente, Rwandais, l'étranger Rwandais Kabila, à comment? À son président, vous avez un troisième mandat, et puis, soit celui Kabila a ajouté, mais l'étranger Zambien Katumbi, Zolo Moulaye Moundele, à son pouvoir. C'est ça leur objectif. Alors, lorsqu'on voit les deux têtes là, les deux têtes, il y a ma baie, il y a Congo qui, qui symbolise la destruction du Congo. Kabila na Katumbi, Ngoloba que non, le retour à l'ordre de Rwandais en RDC, ils le font pas pour le peuple, le retour à la non-gratuité, bah, la gratuité scolaire, le retour au budget de 4 milliards de dollars américains par an,
Balingi budget à 11 milliards. Il faut vous comprendre yango. Le retour aux tueries. Il y a Rossi Mukendi, il y a Armand Tungul, il y a Chebeya. Évidemment, le peuple a dit non. Donc, c'est une preuve. Chada Ribaye Barake non. Oh, bah, moni lobby, il y a City Nabango, il y a Mfilou, il y a Pampa Ambassade, Ribaye Barake non. C'est une preuve que, en 2023, le peuple congolais va élire le président Félix Tshisekedi. Ça, c'est clair. Car, à titre, dans le lobby, la Kabylie est piégée. La Kabylie est piégée par qui? Le président Félix Tshisekedi. La Kabylie est affaiblie, sans inspiration, sans stratégie. Alors qu'ils ont des professeurs. En vérité, ce sont des professeurs ignorants. Des professeurs ignorants. Bazakana ba thèse de doctorat en papier. Ba thèse de doctorat sans connaissance. Pas du tout. Ils ont ba thèse de doctorat vide, aride. Il y a pambala pambala. Alors, mais Félix Tshisekedi a piégé Bango, a détruit Bango. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant de piéger la Kabylie, ou de défaire la Kabylie, ou de déboulonner la Kabylie, le président Félix Tshisekedi a fait preuve d'ingéniosité politique en infiltrant, en pactisant avec la Kabylie pour sympathiser et les mettre en confiance. À travers l'accord FCC Cash. Vous comprenez, madame Nalobi? Donc, le président Félix Tshisekedi, avant, a piégé Baro, a affaibli Baro, à sa stratégie, Oyo, il a démontré son ingéniosité. Un génie, Félix Tshisekedi, un génie, un savant politique qui a créé sa stratégie. Il a pactisé avec eux. Au monde, il a sympathisé avec eux. Pour les mettre en confiance, c'est-à-dire que Bandi Maye va vendre calme. Il y a un moment qui le président Félix Tshisekedi, après un mot, a été divisé Bango, a été divisé FCC, a créé FCC à Kabila, na FCC à Yé, à Union Sacrée, a divisé Bango. Mais de toutes les façons, FCC, à Kabila, à Kabila, na Kati, ou à Bata Félix, na Kati. Alors, quel est l'objectif qu'a fait Tshisekedi, de ce savant politicien en politique, fait Tshisekedi, l'ingénieur politique? Quel était son objectif? Tangou a pactisé avec l'autre. Son objectif était à, comment je dirais, à sympathiser avec les kabilistes, à tirer en confiance pour les kabilistes siéger dans l'institution. Ba vanne na ba institution ba bimate. Ba zala na parlement, ba zala na sénat, ba zala na assemblée nationale. Surtout ba institution mi balé wana sénat na assemblée nationale. C'est ça le piège du siècle. Le piège du siècle. Afin qu'il soit aussi comptable de tous ces actes de révolution qu'il mettra en place à travers le combat autour du contrôle du parlement, y a assemblée nationale, na Sénat, à travers du contrôle, il y a gouvernement, il y a cour constitutionnelle, il y a CENI, que Félix Tshisekedi a gagné haut la main. La Kabylie a échoué et est affaiblie. Donc, il y a un expliqué que non, Félix Tshisekedi, objectif de la Guinée, pour Alinga quitter que la Kabylie, c'est pas bimé dans l'institution. Si on n'a pas bimé dans l'institution, le col à Étienne Tshisekedi, dans 2011, dans 2006, a sa la stratégie. Une épaisse à passer par une élection, t'es abîmé dans ma institution. Voilà, et qu'on crédibilise, il y a moins crédibilisé qui Étienne Tshisekedi n'a eu de pèse. Il y a ce qu'on fait, Tshisekedi, il fallait créer une stratégie, à chaque moment en confiance, bah, faire dans ma institution, pourtant, on fait Tshisekedi. À retirer un acte, naïe, il va poser ses actes de révolution pacifique, pour la rechanger, moka, pour la reclouer, bango, pour la redéboulonner, bango, base à la comptable. C'est ce qui les a fait. Il y a un sali bango, Géoana. Il y a un azo ben a fait Tshisekedi, un savant politique. Pour un autre aboyer, et que vous n'êtes pas ma conseillère, et que vous n'êtes pas à présent fait Tshisekedi, Yemoko. Avec un cercle très fermé. Et maintenant, le président fait Tshisekedi a gagné. Il contrôle le gouvernement, il contrôle le parlement, il contrôle l'Assemblée nationale, il contrôle le Sénat, il contrôle la CENI, il contrôle
La Cour constitutionnelle. Quand je parle de contrôler la CENI ou, le CN, ou la Cour constitutionnelle, en fait, c'est Kabila qui contrôlait ces institutions, organes, Mibaleoana. Tshisekedi a béni Yango, a Tiango sous le contrôle du peuple congolais. C'est ainsi qu'il faut comprendre Maloba Langaï. Donc, dans Minito Bomoni, la Kabylie, Peme Sali Bango, ma coquille sous-souté, ma bandico lela lela, tout et tout là. Alors, on peut s'emboter. Na papa Langaï, Maurice, papa Maurice, Toko Maurice, na États-Unis, na maman Jeannette Lelo, na pe si ba mbote, Evaristo Kabe, na États-Unis, mbote na yo, Honora de Jean Moutala, je te salue, Jean-Marie Chibangu, na zo pe sabino mbote, Christian Donda, na zo pe sabino mbote, maman Julie Wangaja, je te salue, maman Alaba Yvonne, je te salue, Maître Juto Sako, na zo pe sabino mbote, maman Ghislaine Choa, Mbote na yo, bébé Chitenge, na yo, kope sa yo, mbote Anthony Prince, mbote na yo, Michel Kadima, je te salue, ya DCU, ya Bide Chimanga, ya zo pe sabino, mbote, Esika Bozali. Donc, bozala toujours scotché, bandero nangai, bozu émission, bo s'abonner, ceux qui bo s'abonner, te bo s'abonner, ceux qui ata bo s'abonner, bo sa bande konabino, ba s'abonner, moi si, ton mari, ta femme, tes frères, tes cousins, tes amis, bas s'abonner à la chaîne Nabiso, chaîne Mata, Poto Panza, Nteke, to expliquer ma Congolais, ma Kambouya, Mboka, Nengezali, Kokende, s'il vous plaît. Alors, na qu'est-ce que yo, na dossier Moussoussou, aux alliés pour tenir Biso à cœur. Bon, on a information, on nous a dit que 750 policiers ont quitté le Kasaï, Bakéi, na Katanga. Qui le dit, c'est le gouverneur Kiaboula. Kiaboula plutôt. Aloba Kiango, d'une façon teintée de tribalisme. Ça, c'est la réalité. Oh, voilà, bah, policier, bah, longue na Kasaï, bah, ke na Katanga. Et, de façon incontrôlée. Vous croyez où? Vous croyez que tu as la carte à jungle? Bah, policier, bah, longue na Kasaï, bah, ke na Katanga. Vous croyez dans une jungle, gouverneur Kiaboula. Attention! Attention. Et puis, dans le bac, il y a un qui a teinté un mot de connotation tribale. Dans la police nationale, il n'y a pas que des Kasaïens. C'est tous les Congolais. Tous les Congolais. Et puis, la police nationale est coordonnée. Coordonnée. Bah, la chef suprême. Néromoni, bah, moi, na Katanga, wana, c'est par ordre, il y a chef suprême, commandant suprême, na bavo. Vous avez concocté votre plan. Il y a aussi la épuration ethnique, il y a ba Kasaïen à Katanga. Et vous, on va vous laisser comme ça. On va vous laisser comme ça. Vous croyez, non? Bon, mon yango. 750, toi, oh, yo, tangi na misu. En réalité, là, 750, je t'informe. Bon, ça là, on va vous voir. Oh, yo, mon yuana, hein, et là, 750, en tenue la police. En tenue civile basé belé plus ma militaire dans tout le Katanga tout ça tout est scobino na ba stratégie na bino ya ba katumi na ba kabila pour exterminer les Kasaïens tout la bino na mise sur quoi qu'est-ce que tu allais faire vous jouez vous souki alors toke mbangouma on a dossier ya élection ba gouverneur bon mon ami hier il y a eu des élections oyo CENI la première élection oyo le président Kadima Denis Kadima ya il y a signé ça ici, l'élection des gouverneurs à travers la République. Alors, entre temps, Tangou, Seigneur a organisé l'élection de gouverneur, FCC, la Kabylie, bah, la sitting, la paix du peuple, pour réclamer un consensus pour les élections 2023. Le chien aboie, la caravane passe. Ouh, bisous, ils ont passé. Le Kabylie, c'est un gang à le peuple congolais est okende. C'est comme ça. Le chien aboie, la caravane passe. Mais, dans l'élection, on a mon bimba, quand je vous dis, lecture nini, on a tiré. Évidemment, tu dois retenir un élément très important. Pour le moment, sur 11 provinces, et l'élection, l'Union sacrée, a auto gagné 11 provinces sur 14 jusque-là.
11 provinces sur 14. Donc, bravo, bravo. L'UDPS a gagné PBL, tout et tout là. Bravo, secrétaire général Augustin Kabuya. Bilan aya liboso yango yo. Succès à secrétaire général Augustin Kabuya. Bilan aya liboso yango oyo. Pour UDPS, a joué ma gouverneur Belé. Même gouverneur oyo azalaki na Tanganyika. Na Tanganyika et pas Zoé Kabila et Sikazalaki. Et Zali, membre ya UDPS n'a commis gouverneur. C'est une dame. La bosse ni kombo na ye. Touye ba kombo na ye. Mais l'élément qui m'a marqué, très important, je dis, autre fait, au lobe la labino lelo, c'est sur sept candidats katoumbistes, Katoumbi, les Zambiens, l'étranger Katoumbi, a tindaki sept candidats na ye. A juste zéro. Aucun gouverneur élu. Ba assemblée provinciale nyonso, ya RDC Mobimba, ba boiko pona, gouverneur Oyo, Moïse Katoumbi, atindi. Atindaki sept candidats, ya ensemble pour la République, c'est-à-dire sept candidats katoumbistes, c'est-à-dire que des Congolais, aliénés mentaux, des Congolais souffrant d'un complexe d'infériorité face aux blancs Katoumbi, des Congolais moins sérieux, inconscients, rêveurs, qui veulent que le Congo soit dirigé par un blanc Katoumbi, un étranger zambien, un juif zambien, Mouyibi Katangé. Ils ont vendu l'uranium, ils ont vendu toutes les mines. Sur 140 mines de la Gécamine, ils ont vendu 136. Batiki kaka 4 de la Gécamine. Sur Balingine, Sigo Katoumbi, on a son président. Batouana, 7 candidats. 7. 7 candidats. Sogi, 7 candidats. Et Atamora l'équité. Félicitations, félicitations aux Congolais. Donc, il faut donc comprendre que non, c'est la configuration, il y a élection 2023. Un homme prudent voit le mal de loin. Il y a un tour, c'est un kabiliste. Hein? Élection à 2023, configuration, il y a un moyo. Élection à gouverneur. Donc, vous ferez mieux. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Vous ferez mieux de boycotter les élections en 2023. Chimboubui, bis on a 2006 te boycottaki. Et tiens, tu sais que d'aki na 2011, tu vois, ça va pas député, ça va pas côté dans le parlement. Bino, mais bon, ça la rende, voilà. Bon, voyez, ma biloko, bon, on comprend, ma ramener, j'ai dit qu'on donc, Katoumbi, échec sur échec. Fait, tu sais que l'union sacrée, à la qui s'y est que 2021, aux alaboui. Ba bétier mbata, mbata mkolo. Mbata mkolo. Alors, bah, Congolais, donc, beau bouffer l'argent, Daniel Safou. Faut bouffer ce blanc-là, beau yiba, mbongo, tout et tout. Faut le bouffer l'argent, c'est tout. Donc, il n'y a rien de bon dans Katoumbi, tout et tout là. Voilà. Alors, donc, les sources d'un dossier, une source très important. Ils ont dit dossier haute, remarqué, augmentation des prix sur le marché, l'inflation. Tout le monde en parle. Alors, mais moi, je crois que c'est pas seulement en RDC. C'est dans le monde entier. L'inflation a touché le monde entier. Chez nous, d'ailleurs, le prix du carburant est abordable. En Angleterre, awa, en France, partout, le prix est mati. Donc, bon, l'anda, le kabiliste, le katoumiste, le bazali, le tandoïkete, le presse, le fustiger le président Félix Tshisekedi et le gouvernement pour la hausse de prix. Si déjà un pays comme l'Angleterre, bazali, une inflation à ma casse, une économie qui respecte les règles économiques, c'est-à-dire que le secteur primaire est allé, le secteur secondaire est allé, le secteur tertiaire est allé. A fortiori la RDC, qui est une économie extravertie, tournée vers l'extérieur. Yébisangaï. Tout le monde a tapé l'économie. On va subir le choc. Et il y a moins des euros, les gars. Évidemment, il faut ajuster le salaire à tout, ajuster le salaire à Batou. Même dans l'Angleterre, awa, ba grève et Zali. Ba grève et bandit. Et bandit déjà. Et Zali. Ba grève. Ou à la zone Sabino, ba grève, y a ba conducteur à ba bus. Ba grève. Ba grève et Zali, ben l'Angleterre, mobile. Pour ba exiger majoration à ba salaire na bango. C'est ainsi qu'on a remarqué qu'à Kinshasa aussi, il y a eu grève, y a ba enseigné bandit. Grève, ba enseigné bandit. Si qu'on yo, là où le bas blesse, c'est quoi? Il y a une récupération politique malsaine pour intoxiquer, manipuler et mentir les Congolais. Grève, il y a un enseignant dans le Congo, ce n'est pas autour du salaire. Dans l'année, il y a une émission,
Là, bah, aussi, on a politique, il y a kabiliste, Israël Mutombo, tout et tout là, bah, on comprend le Makambouté. Emmanuel Tshibambe, vous devez corriger ça. Emmanuel Tshibambe, s'il vous plaît, corrigez cela. Le communicateur de l'UDPS, l'excellent communicateur de l'UDPS, bon, corriger en haut. La grève des enseignants actuellement, ce n'est pas autour du salaire. C'est autour de la prime de la gratuité et autour de la retraite. C'est tout. Les enseignants na Congo, bazali ko senga te ba batila bango salaire te. Bazali ko senga na bango ba bongise la bango prime ya gratuité. Qu'est-ce qui se passe? Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Tony Mwaba, professeur Tony Mwaba, a institué qui prime de la gratuité. La prime de la gratuité, ba enseignant oyo ya ba école de la Gombe. Bazo pesa bango 200 000 francs congolais par mois. Tandis que, ba enseignant, oh, y'a ba école de la cité, y'a pas en pamba, tout et tout là, y'a ba Kingasen na Souga, ba opé, ça va 30 000 francs congolais. Voilà la revendication, y'a ba enseignant, c'est que Zali. Ne vous trompez pas. Et puis, ba l'on s'en appelle, problème, y'a retraite. C'est tout. Ce n'est pas autour du salaire. Et bon, monaki, y'a eu une augmentation de salaire. Ba ba tsaki ba salaire, y'a ba policier, y'a ba fonctionnaire, n'y'a sur l'État. De 30%. Ba on s'en a étape par étape. Ba on s'en a rapidement, puisque, il faut m'attendre comment l'inflation va réagir, puisque lorsque vous augmentez les salaires des fonctionnaires de l'État, il y a augmentation aussi de la masse monétaire sur le terrain. Ça crée une inflation. Alors, il faut ce que l'État a surveillé en haut. Il y a un bandit, 30%, et puis on retient 45%. Bah, on retient la gloire à l'agneau, tout. Évidemment, le tout est fonction du budget en Bokalabino. Budget mbora la bino tali kokende ndenge nini. Yango na zoko loba ke non petit à petit. Donc bazo kende petit à petit car tout est fonction du budget. Ba kabiniste ba olega la ba katumiste ba o bazo lega la ba etando ike na Kinshasa na ba presse. Ils aiment bien parler des budgets d'autres pays, ba pays ba États-Unis, ba Nigeria, ba France, ba Afrique du Sud. Des gros budgets. Yango ne sala ramboka. Et comme si vous avez mis à l'issue de Congo, baboyi. Depuis, vous avez dit que vous avez 4 milliards au Kabila Tchela ba Congolais pendant 18 ans et comme 11 milliards. Et les lots de Sabino, il y a un seul secteur. Oyo, régie financière, Moko. Oyo, et Sali, mobilisation de recettes de 1 milliard 600 millions de dollars dans le mois d'avril. Moko. Donc, si on doit extrapoler, projeter ça, donc, beaucoup à moitié en 2023, que la RDC a comment, n'a budget, peut-être, il y a 20 milliards de dollars américains. Dites-moi. 1 milliard 600 millions de dollars américains en un mois. Projeté en haut. Facilement, on peut atteindre 20 milliards de dollars américains. Et là, le salaire des fonctionnaires est au matin. Donc, il faut vous avoir la passion, vous avez une économie, et vous avez une là. Côté, au cas, il y a un salaire, il y a ma policier. Je salue de Rolangaï, Jean-Pierre Mbikoulou, un officier, il y a Efoka Nanga, en France, dans un pays un mot de Ségézali, qui m'a dit ceci. Il y a de ceux-là qui fustigent, Bazali Kochola, augmentation, il y a ma salaire à ma policier. Alors que, il y a une carrière, il y a Tarazalagi militaire, na Kinshasa, na Congo, à ça, là, 20 ans, ma matière salaire était. Quand on Kabila le père a yakacha a foutu encore 100 dollars pour 3 mois. Bon amiba, soit qui m'a foutu pour 3 mois. Jusque là, et matate. Si vous avez besoin de seka, importuné, tout là, on fait du seke de sali. Ça, c'est de la mauvaise foi. Na kindoki. Donc, nous sommes congolais, soyez très prudents. Alors, na dossier à loi Tchani. Oh, bah, c'est le président doit être de père et de mère. Congolais et marié à une femme congolaise. Bisous, ma question, vous pouvez toquer plus loin. Même le président de la CENI, le président de la CENI doit être de père et de mère congolais. Tous les membres de la CENI doivent être de père et de mère congolais. C'est comme cela. Faut pas boire que, oh, bon, bête à ma soule, belé. Na CENI, paix, de père et de mère, il fait compte à la carte. Tout boire, bah, étranger, bah, compte. Puisque s'il y a des étrangers, bah, vous comptez, ça, bah, candidat, bah, étranger. Voilà. Tomoni Noël Tchani, oyo. Tobenga loi Noël Tchani, oui. Par reconnaissance.
Mais faites attention avec Noël Tchani. Tout le monde est dans Jean-Marc Kabound. Tu as évité ni les bagages qu'on concocte. Mais bon, il y a baraké, non? Moutou o Noël Tchani, oyo. Candidat 100 000 $ na Zouaka et où t'es pas à Kabila. Jean-Marie Tchibangou en sait très bien quelque chose. Je le savais là où il est en France. Alors faites très attention à Bato. Et posez-vous la question. Pourquoi le président Félix Tshisekedi ne le nomme pas? Anoma Noël Tchani, pourquoi? Puisque le président Félix Tshisekedi en sait beaucoup sur ces messieurs. Dans le dossier, Julien Ningete, qui avait bien travaillé, à Sagi, bien Maloba, qui a bien dans les États-Unis, tout là, le Congo n'est pas en guerre. On n'a pas déclaré la guerre. C'est le Parlement qui déclare la guerre. Mais Ngaï, n'a pas se rappelé dans Maloba Mobutu. Mobutu, à l'étranger, à Zagi, n'a papa Bomboko Lokumba. Bah, tout est question. Mobutu a ABC, citoyen Bomboko Lokumba, Bouka Lokuta pour Namboka Nayo. C'est clair. Pour l'intérêt de ton pays, si il faut dire des choses, de bonnes choses, pour investisseur, bah, il faut le faire. C'est un devoir patriotique. Quoi qu'on le bat de bêtises, n'importe quoi, t'es. Voilà. Je crois que M. Siri Banderonangaï, force au peuple, force à l'UDPS. Dans le sein de la Bino, bon sang, la pône à RDC, bon sang, la pône à Posa Fetis et Gedi, bon sang, la pône à Molobela Milo, Kenjo Moukendi, bon sang, la UDPS. Ciao. Aux yeux émission, aux abonnés, aux MBC Bandeko, bas abonnés, aux partagés émission, aux tiers like, aux tiers aimé. Bye. À la prochaine. Maman Julien Wangaja, maman Agnès, je te salue en Angleterre. Bye.